Salut tout le monde, dans la vidéo ça va ensemble avec imbrication de la fonction si ou encore fonction si imbriquée. Ça veut dire la fonction si liée imbriquée. Une fonction si imbriquée, c'est tout simplement une fonction si qui gagne l'autre fonction si en dedans. Ok, et on utilise fonction si imbriquée à lorsque on gagne plus que deux conditions. Donc on va regarder là avec. Lorsqu'on va voir que nous gagnons un tableau là qui noté comme petite condition, et après là, nous avons trois conditions. On voit que là, il dit que y a un monde qui fait supérieur ou égal à 70, il est automatiquement passé. Ok? Ça fait supérieur ou égal. Donc, si vous avez 70, il a passé parce que il est supérieur ou égal. Là, on dit que si vous faites supérieur à 59, donc ça, si nous avons une note qui est supérieure à 59, ça c'est strictement supérieur. Donc si on fait 59, automatiquement, les peuples ajournent. Parce que pour mon ajourner, il faut faire supérieur à 59. Donc on a fait 60. Ok? Si on fait 60 et plus, donc il est capable d'ajourner. Ok? Si on fait une note qui est strictement inférieure à 60, automatiquement il échoue. Donc si on fait 60, il va pas échouer parce que ça c'est strictement inférieur. Maintenant, là nous avons un tableau, il y a un nom mounio, et il y a un autre mounio fait. Et dans la colonne ça là, dans la colonne H là, nous pourrons insérer qui mention. Ok? Que mon ça a fait. Est-ce que c'est mention passée? Est-ce que c'est à journée? Ou bien est-ce que c'est échoué? Ou bien échec? Maintenant, quand on va faire ça, en regardant ça avec cette axe-là, fonction si imbriquée, on va oublier toute formule d'Excel, commencer par égal, on va taper égal, si, ou bien if, ouvrir parenthèse. On prend là, on dit que, qui test logique, ok, logical test. Mais test logique, nous, on dit que, si mon ça, qui c'est Albert là, mais moi, mes notes-là, on clique sur notre là, si Albert, ou Albert là, on dit lui, si supérieur ou égal à 70, on va taper supérieur ou égal à combien? 70. Donc, là, le final test logique là. On met des virgules. Qui ça va passer ça si le fondant qui est supérieur ou égal à 70? Mais on va passer. Et ça, on dit non, tout simplement. On met des guillemets parce que pas bien depuis ce texte, on va taper nos formules Excel, on suppose mettre entre guillemets. Maintenant, à ces premières conditions, on va la deuxième condition. Ok, automatiquement on a tapé si encore pour la deuxième condition. Exactement, on dit qu'on a utilisé une fonction si qui est imbriquée. Ouais, nous faisons l'autre fonction si en deux fonctions si que nous avons déjà. Ok, deuxième condition c'est qui ça? Si même notre ça que Albert fait là, ok, si lui supérieur à 59, ça tapé supérieur à 59, virgule, ça va passer automatiquement. La ajourné. Et ça, on dit là, pour supérieur à 59 là. Eh bien, on a tapé ajourné. Ok? Alright. Bon, si par exemple, on n'a pas fait ni une note qui est supérieure ou égal à 70, ni que l'on va faire une note qui est supérieure à 59, donc automatiquement, on s'est échoué. On a besoin de taper formule pour ça là, dans la condition là. Si on n'a pas ni passé, pas ni ajourné, automatiquement on a échoué. Valeur 6 fois, on a tapé échec là-dedans. Alright. C'est aussi simple que ça. Ok. Ok, maintenant, nous fermons une parenthèse nous là. Pas oublier que parenthèse, ça nous ferme là, c'est pour deuxième fonction si, ça qui est imbriqué. Donc, nous allons fermer une parenthèse pour première fonction si. On va faire une parenthèse à deux fois. Maintenant, on a pressé Enter. Après là, Albert a ajourné. Pourquoi ça Albert a ajourné? Mais elle a ajourné parce que ils font une note qui est inférieure, ok, à 70 et notre note est supérieure à 59. Après là, pour mon ajourné, on dit faut que notre note est supérieure à 59. Et automatiquement, notre note est supérieure ou bien que notre 70 pour nous ça passer. Tout simplement ça. Maintenant, nous allons regarder pour nous répondre qui mentionne bien. On clique là deux fois. Un, deux. Ok, on va regarder pour nous voir. Joe 70. Oups, Joe passé. Pour ça, Joe passé. Parce que Joe fait une note qui est supérieure ou égale à 70. Donc, une fois qu'on fait une note qui est supérieure
ou égal à 70, automatiquement mon tali passe. Donc c'est tout simplement ça qui fait Joe passer. Francesca 45, échec. En allemand, échec là pour nous. On dit que si on fait une note qui est inférieure à 60, échec. Donc on peut là, Francesca fait une note qui est inférieure à 60. Donc automatiquement, Francesca a échoué. Sylvain, good, 76. Donc il est passé. Ok? Pour passer, soit supérieur ou égal à 70. Annie, 86 passé, supérieur ou égal 70. Maxen, échec, parce que il est inférieur. Maxen, fait 34, notre 34 inférieur à 70. Ok, là, on a gagné, heureusement, là, il échoue. Pour qui ça? Parce que notre heureusement, il est inférieur à 70. Donc, c'est comme ça, guys, on est capable de faire une fonction si, imbriquée. On voit que l'utilisation des fonctions imbriquées, vous supposez gagner pour plus petit trois conditions. Ok? On voit que dans la fonction si simple, automatiquement, vous gagnez seulement deux conditions. Test logique, valeur si vraie, valeur si faux. Donc, fonction si simple, il n'y a pas qu'à prendre plus que deux conditions. C'est valeur si vraie, valeur si faux. Valeur si vraie à retourner, c'est seulement si test logique la vraie. Valeur si faux, après tourner comme résultat, si et seulement si test logique la lui-même li faux. Donc c'est comme ça, guys, vous capable faire calcul sur une fonction si imbriqué. Je pense que vous avez enjoy la vidéo. Pas oublier que faut un like sur mes vidéos, sur un commentaire, faites un commentaire en bas de la vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne là si vous faites ça. Dans la prochaine vidéo.